Vous êtes éleveur de vaches au col de Vence. Depuis quand êtes-vous installé ici? Depuis 6 ans. Ouais. Et quelle est votre activité? C'est éleveur de bovins. Ouais. Vaches à viande. Vous vendez des veaux? Oui. Donc, les veaux sur pied ou... Je les monte à l'abattoir de Digne. Je vais vous faire des cartons de 5 kilos. D'accord. Et voilà. On pourra donc les acheter, ces oui. viandes? On a ouvert au hameau de Saint-Marin-Abbé une coopérative. Et ça, c'est à la COP des Baous. À la COP des Baous, à Saint-Marin-Abbé. Et c'est ouvert les samedis et dimanches. C'est ouvert le samedi de 10h le matin jusqu'à 5h le soir. Ouais. Allez. C'est de la luzerne. Les jours sont achetés. C'est-à-dire le matin, avant de sortir les... Avant de mettre la jauge, on leur donne à manger la luzerne que je vous ai montrée. Là, niveau eau, on travaille encore à l'ancienne. Ça veut dire que comme il n'y a pas d'eau, avec les citernes. Mais sinon, ils ont monté une association, l'eau pour tous. Ma femme avec un peu tous les gens qui sont autour qui n'ont pas d'eau. Bonjour, on s'est parlé au téléphone. Ah oui. Bon, Isabelle, on a visité l'exploitation, on a vu que les choses se passaient quand même très bien. Mais vous avez un gros souci sur cette exploitation. Est-ce que vous pouvez nous en parler et nous dire quel est ce problème? Nous n'avons absolument pas l'eau courante et nous sommes 6 familles au col de Vence à être prévues sur un tronçon collectif bloqué. Et de ce fait, nous avons créé une association qui s'appelle L'eau pour tous, col de Vence, afin de pouvoir avoir des réponses des politiques. Et sachant que si nous avions des réponses, on pourrait avancer si c'est oui ou non. Voilà. Donc pas de courrier, aucune réponse au niveau des politiques. Donc voilà, nous aimerions savoir si c'est oui ou si c'est non définitivement pour pouvoir avancer même au niveau de toutes les familles qu'on est, quoi. Et dans le cas où ce serait non, quelles sont vos possibilités? Dans le cas où c'est non, on essaierait d'envisager de se raccorder par nos propres moyens en demandant peut-être des aides financières. Car toutes les familles sont à peu près à 600 ou 700 mètres de ce réseau qui va au hameau de Saint-Barnabé. Vous faites un accueil à la ferme. Parlez-nous un peu de votre démarche. Ben voilà, ça m'est venu à l'idée de faire bienvenue à la ferme. C'est un jour, il est venu des handicapés à la maison. Il y avait un monsieur qui était dans un fauteuil roulant. Comme il ne pouvait pas se déplacer, j'avais la vache que vous voyez derrière, la Montbéliarde. J'ai dit au dédicateur si je pouvais prendre le fauteuil roulant, je l'ai emmené jusqu'à là-bas. J'y ai coupé du pain dans un petit seau. Je lui ai dit, voilà, tu donnes un petit morceau de pain, elle va venir et ça va bien se passer. Et c'est ce qu'il a fait, elle est venue, elle lui a donné un morceau de pain. Mais après, la vache, elle a mis la tête direct dans le seau qu'il avait entre les jambes. Quand j'ai vu qu'il a prise par le cou, qu'elle n'a pas bougé, il s'est mis à avoir les larmes aux yeux. Ça m'a fait
tic, j'ai dit le soir à ma femme, j'ai dit il faut que je développe un truc pour les enfants handicapés. Oh, c'est magnifique. Voilà. Et là, je travaille avec les écoles oui. et j'ai un centre IME qui vient tous les lundis. Bonjour Serge, vous êtes éducateur spécialisé. Racontez-nous ce que vous venez faire ici avec les enfants. Alors là, le col de Vence, c'est une de nos actions parmi tant d'autres que nous effectuons. Et ce qu'on a voulu faire au travers de cette activité, c'est sensibiliser les enfants tout ce qui concerne le travail autour et auprès de l'animal. Donc autour, ça va consister à nettoyer les enclos, tout ce qu'ils préfèrent, amener de l'eau, le foin, changer la paille, etc. Et puis après, c'est aussi les sortir. Donc ça, c'est tout ce qui est autour de l'animal. Ça va être quand ça va être la saison de les amener paître, de vivre au rythme de l'animal, et sachant que ce n'est pas du tout le même rythme qu'on peut trouver en bas, quoi, donc en ville. Ce sont des enfants qui ont un handicap. Voilà, ils souffrent d'handicap mental, donc à la fois du retard et des troubles psychiques pour la plupart. Hein. Donc on a une population assez hétérogène. Oui. Donc il y a des autistes, des psychotiques, des trisomies aussi, donc tout type d'un petit peu de handicap. Et vous avez donc constaté que cette journée dans la nature, avec les animaux, apporte à l'enfant un repère. Ce qui se passe, l'animal, on peut le considérer un petit peu comme le tiers au niveau de la relation. Ouais, donc il nous permet de rentrer en relation, parce que la difficulté qu'on peut avoir souvent avec ces jeunes, c'est la relation, la communication, parce que souvent, il y a beaucoup ils sont beaucoup très introvertis, et donc du coup, ces supports-là, ça permet un petit peu de rentrer justement. Et quand on rentre en relation avec des jeunes, ça nous permet chaque fois de demander un petit peu quelque chose de plus. Et au niveau des apprentissages, ça leur permet d'acquérir des apprentissages nouveaux. Et nous, on est là aussi pour ça, quoi, pour qu'ils puissent un jour arriver à être le plus autonome possible. Comment s'appelle votre association ? L'association, c'est l'ADSEA. Et donc, on travaille au sein de l'IME Le Montboron. Et les jeunes que vous emmenez ici, ont quel âge environ ? Ben, ici, c'est un groupe d'âge qui va entre 9 et 16 ans. D'accord. Voilà. Et vous venez toutes les semaines ? Toutes les semaines. Donc, avec le même groupe ou des enfants ? Avec le même groupe. Et vous sentez justement, au travers de toutes ces journées-là, qu'il y a une amélioration ? Ben, les enfants sont beaucoup plus détendus, beaucoup plus calmes. Ça apaise vraiment leurs angoisses, parce que c'est des enfants qui arrivent... qui ont énormément d'angoisse. C'est un bon partenariat aussi avec Alain Bodineau a une approche de la vie, des animaux, de la nature particulière, bien à lui. Donc j'imagine qu'il y a une belle communication entre les enfants et Alain. Ici, on est vraiment dans le cadre de la ferme. Et du travail, du vrai travail. Ouais. Donc là, on est dans une réalité qui correspond vraiment à ce métier-là. Et ça, nous, ça nous tient beaucoup à cœur. Là, me filme. Eh oui, Nicolas. J'ai ma chèvre. Et comment elle s'appelle, ta chèvre ? Elle s'appelle Piquette. Piquette. Oui, lundi, à la ferme de Dala. En haut, Ahmed. Voilà, tu mets ça. Tu vas en haut. Sarah, tu vas là-bas. Tu sais que tu en mets dans les bacs. Allez, je vois. Ça risque rien. Pas courir. Ça tourne. Allez,